Une taupe et un hibou s'aimaient tous deux comme des fous. Ils se rencontraient la nuit dans un champ de pissenlit. La taupe se mettait debout près du hibou accroupi, et en joignant les deux bouts, ils faisaient leur petit fourbi. Et encore, vous avez de la chance que je ne les mette pas ailleurs. Hein, parce que... Trois très gros grands gras à gris fuyaient loin du mistigri dans un champ de blé brûlé, blé brûlé, blé brûlé, blé brûlé. Ils virent six saucissons secs qui organisaient des obsèques. Ils venaient de charcuter le charcutier, le charcutier, le charcutier. Un chasseur sachant chasser sans son chien n'est pas un saut chasseur, comme disent les Autrichiens. Une vache a survolé la maison et elle a pondu un œuf tout rond. Sans façon, si généreuse et futée, elle donne aux puces leur tétée sous l'édredon. Quand elle voit le hérisson, elle lui offre un chardon. Mais quand un poux éternue, elle lui botte le cul. Dans mon pays de cocagne, il y a une maison Madame de campagne. On y entend le cliquetis des ceintures de taffeta et le cri d'un perroquet de Calcutta. Vent, vent, vent quand je pète, vent, vent, vent quoi dedans. Vent, vent, vent quand je pète, vent, vent, vent quoi dedans. J'ai rencontré trois lapins, un qui pue, un autre qui rote. Le troisième joue de la carotte et sa femme du tambourin. Pourquoi dans leur aquarium les poissons pètent en silence? Et comment les mouches font pour faire caca au plafond? Vent, vent, vent quand je pète, vent, vent, vent près le dent. Le pape dit qu'en Italie, ceux qui donnent pas la quête, on leur coupe la bistouquette pour en faire des spaghettis. Si l'éléphant peut l'hiver se purger avec sa trompe, c'est parce qu'il s'en sert de pompe quand son trou de balle est ouvert. Vent, 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 quand je pète, vent, 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 quoi dedans. Vent, vent, vent.